vers l'obéissance. Mais toute personne qui vit en dehors de l'obéissance, de la présence de Dieu, il n'est pas l'ami de Dieu. On dit souvent dans le monde, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc si on pratique pas la parole de Dieu, c'est-à-dire nous tous, on vit comme le monde. Parce qu'il est écrit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes point de ce monde. On doit savoir quelque chose. La vie de péché détermine qui nous sommes devant Dieu. La vie que nous sommes en train d'amener, ça détermine d'où nous sommes qui. Nous sommes qui devant la présence de Dieu. Car un vrai enfant de Dieu, il doit vivre selon la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il doit respecter l'écriture. Un vrai enfant de Dieu, il doit vivre selon le Saint-Esprit. Demande le Seigneur, nous ne sommes pas seulement l'enfant de Dieu quand tu te bénis, mais même dans la détresse, il faut rester enfant de Dieu. Même quand tu manques à manger, tu dois rester enfant de Dieu. Même quand tu manques à te vêtir, tu dois rester enfant de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu à travers des richesses. Nous ne sommes pas enfants de Dieu à travers une bonne réputation. Mais nous sommes enfants de Dieu même dans les prisons. Même dans les prisons, soyons capables de présenter Jésus-Christ de Nazareth. Même dans les détresses, soyons capables de parler de Jésus. Car Pierre, il peut parler de Jésus même dans les prisons. Joseph, il peut parler de Jésus même dans la prison. Peu importe que sa réputation était abîmée, les choses qu'il n'a jamais fait, mais il est resté enfant de Dieu. Il est resté fidèle avec Dieu. Notre problème, ce n'est pas à parler à l'âme. Le problème, est-ce que nous sommes capables de parler de Dieu? Peu importe les circonstances, sont des hommes comme des gens qui souffrent, mais ils rentrent au monde de la critique pour dire, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Job, il avait cru en Dieu. Job, il avait confiance en Dieu. Job, il avait ce qu'on appelle la manière de Dieu, le comportement de Dieu et la transformation. Il n'y a pas un enfant de Dieu à la transformation, car la transformation amène l'homme à être dans l'image de Dieu, car la consécration amène l'homme à faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas la volonté parfaite de Dieu sans la consécration. Il n'y a pas la volonté de Dieu sans l'obéissance. Dans l'obéissance, ça cache la gloire. Dans l'obéissance, ça cache la présence de Dieu. On doit vivre selon les paroles de Dieu, pas selon nos richesses. Pas selon nos richesses. Il y a des personnes qui sont prêtes à parler de Jésus quand il a un bon carrosse. Il boit un bon... Shalom, bienvenue dans le Seigneur, c'est votre frère, le frère exaucé. Que Dieu nous a fait grâce de se revoir encore dans ce plateau. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Pour ce midi, j'ai un thème à nous proposer, nous tous. Thème, ça sera de génération de Jézabel. De génération de Jézabel. J'ai un contexte que je vais nous proposer, nous tous. Je suis dans l'Apocalypse de 20. La Bible dit ceci, c'est qu'un jeu contre vous passe, je vous laisse la femme Jézabel enseigneur. Il s'est dit prophétaire et s'est dit mes serviteurs. Bénis le Seigneur, c'est qui un Jézabel? C'est qui un séducteur? C'est qui un Jézabel? Un Jézabel, c'est une femme qui a mené le peuple de Dieu vers l'idolâtrie. Un Jézabel, c'est une personne qui a mené le peuple de Dieu vers l'impudicité. Il a mené le peuple de Dieu à manger des choses sacrifiées des idoles, des viandes sacrifiées des idoles. Mais on doit savoir ceci. Dans cette génération, nous, enfants de Dieu, nous, des serviteurs de Dieu, on doit avoir la vision clairement de Dieu. On doit avoir la façon de Dieu. Le problème de cette génération, ce n'est pas la prière, c'est l'homme. Le problème de cette génération, ce n'est pas d'abord prophétiser, c'est l'homme. Parce que dans cette génération, surtout à les personnes qui ont servi Dieu, nous sommes beaucoup attachés aux choses qui consistent dans le matériel. Nous sommes attachés par l'argent, nous sommes attachés par la sexualité, nous sommes attachés par les choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Tu vas remarquer, il y a beaucoup qui servent Dieu, mais il y a un peu de personnes qui allaient encore loin avec Dieu. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est terminer ce que Dieu fera avec nous. Mais Jézabel n'était pas un enfant de Dieu. Jézabel était un esprit qui attirait l'homme vers la sexualité, qui attirait les hommes vers l'impudicité, qui attirait l'homme vers l'idolâtrie, qui attirait l'homme vers de se détourner près de son Dieu. Tu vas remarquer avec moi, les Jézabel, il a détourné des enfants de Dieu. Il aime les enfants de Dieu vers le péché. Bien le Seigneur, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, comme nous sommes en train de faire une chose qui sont mal, tu dois les ressentir au fond du cœur. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es quelqu'un qui amène ta vie comme Christ. Tu es la personne qui se conforme selon la parole de Dieu.
Osa muto ezo bika lokola ba kusu te. Osa muto ezo bika kola ni semene za balinga o vivre. Donc vina ezo ko dépendre na to dépendre na Nzambe. Parce que apporte pas lobi ce qui na zo bika ezanga ezo yes no bika kati na ngai. Qui veut dire ceci que moi na Nzambe solo aka des yeux et mon côté. Des yeux qui sont aux effets de pas Nzambe. Donc toutes les décisions ça doit venir de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui est la maître de ta vie. La génération de Jézabel. Génération poussée par l'impudicité, poussée par le péché, poussée par le meurtre, poussée par tous les genres de péchés. Tu vas te rendre compte, mes frères et sœurs, nous sommes le temps du soir. Christ veut revenir bientôt. Christ, il veut revenir bientôt, bien-aimé. Tu dois te repentir, mes frères, ma sœur. Tu dois quitter dans cette génération de Jézabel. Tu dois quitter la génération de Samson. Bien-aimé, c'est qui un Samson? Il était un ouin de Dieu. Un Samson, Dieu là ouin, pour défendre son peuple dans les combats, pour plaire à cause de son peuple. Mais les Samson étaient un homme qui était rempli avec des intérêts. À chaque fois il se battait, c'est pour montrer aux autres que je peux vous battre. C'est pour sa gloire. Tu vas remarquer avec moi, Samson il s'est jamais consacré pour chercher la présence de Dieu. Mais au contraire, c'était sa mère qui s'est consacrée de sa grossesse pour qu'il soit consacré devant Dieu. Et les jours que les Samson, c'était les jours qu'il a... Il s'est trouvé que ses yeux sont troués, il a commencé à prier à Dieu. Tu ne dois pas prier seulement quand tu sens que tu es dans la détresse, quand tu sens que tu as des problèmes. Mais tu dois prier et tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois être fidèle. Mais dans cette génération, on doit savoir quelque chose. Jésus nous tend, Dieu nous tend quelque part. Dieu nous tend quelque part. Dieu il nous tend vers la fidélité. Il nous attend vers la consécration, il nous attend vers l'obéissance. Mais toute personne qui vit en dehors de l'obéissance, de la présence de Dieu, il n'est pas l'ami de Dieu. On dit souvent dans le monde, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc si on pratique pas la parole de Dieu, c'est-à-dire nous tous, on vit comme le monde. Parce qu'il est écrit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes point de ce monde. On doit savoir quelque chose. La vie de péché détermine qui nous sommes devant Dieu. La vie que nous sommes en train d'amener, ça détermine d'où nous sommes qui devant la présence de Dieu. Car un vrai enfant de Dieu, il doit vivre selon la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il doit respecter l'écriture. Un vrai enfant de Dieu, il doit vivre selon le Saint-Esprit. Demande le Seigneur, nous ne sommes pas seulement l'enfant de Dieu quand tu te bénis, mais même dans la détresse, il faut rester enfant de Dieu. Même quand tu manques à manger, tu dois rester enfant de Dieu. Même quand tu manques à te vêtir, tu dois rester enfant de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu à travers des richesses. Nous ne sommes pas enfants de Dieu à travers des une bonne réputation, mais nous sommes enfants de Dieu, même dans les prisons. Même dans les prisons, soyons capables de présenter Jésus-Christ de Nazareth. Même dans les détresse, soyons capables de parler de Jésus. Car Pierre, il peut parler de Jésus, même dans les prisons. Joseph, il peut parler de Jésus, même dans la prison. Peu importe que sa réputation était abîmée, les choses qu'il n'a jamais fait, mais il est resté enfant de Dieu. Il est resté fidèle avec Dieu. Notre problème, ce n'est pas à parler à l'âme. Le problème, est-ce que nous sommes capables de parler de Dieu, peu importe les circonstances, soyons des hommes comme des gens qui souffre, mais il rentre au monde de la critique pour dire je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Job, il avait cru en Dieu. Job, il avait confiance en Dieu. Job, il avait ce qu'on appelle la manière de Dieu, le comportement de Dieu et la transformation. Il n'y a pas un enfant de Dieu à la transformation, car la transformation amène l'homme à être dans l'image de Dieu, car la consécration amène l'homme à faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas la volonté parfaite de Dieu sans la consécration. Il n'y a pas la volonté de Dieu et sans l'obéissance. Dans l'obéissance, ça cache la gloire. Dans l'obéissance, ça cache la présence de Dieu. On doit vivre selon les paroles de Dieu, pas selon nos richesses. Pas selon nos richesses. Il y a des personnes qui sont prêtes à parler de Jésus quand il a un bon carrosse. Il boit un bon. Est-ce que nous sommes prêts à prêcher Jésus malgré nos larmes? Est-ce que nous sommes prêts à... Toi qui te dis que j'ai servi Dieu, j'étais vierge. Laisse-moi parler à une personne. Même si on a levé ta virginité, Dieu restera Dieu. Il y a des situations difficiles que les hommes ont rencontrées, mais ils ont continué avec Dieu. Bien-aimé, tu peux servir Dieu dans l'obéissance, dans la consécration et ta réputation.
réputation est abîmée. Oui, c'est aussi la Bible, c'est aussi la parole de Dieu. Étienne a servi Dieu, Étienne était serviteur de Dieu. Après avoir servi Dieu, Étienne était lapidé à cause de Jésus. Étienne était lapidé. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix, mon frère, ma soeur. Pasteur, comme le croix n'a été ni apôtre, ni prophète, tu dois porter ta croix toi-même. Peu importe les circonstances, tu dois assumer parce qu'on a accepté Jésus-Christ. Lui-même, il est en train de nous dire que si on est, on doit porter notre croix. La croix, c'est quoi? C'est la persécution. C'est les insultes des mondes. On peut cracher sur notre réputation, notre personnalité. On doit rester des enfants de Dieu en tout et pour tout. On doit assumer à rester la présence de Dieu. Ça tient ou bien ça tient pas. Je suis béni ou bien pauvre. J'ai la richesse ou bien je n'ai pas la richesse. Je suis arrogant ou bien je suis pas arrogant. Je dois rester enfant de Dieu jusqu'à la mort. On n'a pas crié à Saint-Jésus pour l'abandonner, mais nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Car la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. C'est venu, c'est ce qu'on doit persévérer jusqu'à la mort. On sera là fidèle devant Dieu. Peu importe des situations agréables ou désagréables, nous sommes obligés d'être avec Dieu. Bien aimé, je me rends compte que les personnes qui me suivent, tu n'es pas obligé d'abandonner Dieu. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu peux te repentir. Il est écrit, le salut du péché, c'est la mort. Tu peux te repentir, il peut te pardonner. La vie que c'est pas une vie facile, mes frères et sœurs. La Bible dit, ceux qui aiment portent sa croix. De la croix, il n'y a pas la joie, il y a les souffrances. On doit souffrir pour Dieu. Lui, il était souffert pour nous. Il a porté sa croix. Il était mort de la croix, ni bien aimé le Seigneur. Il était ni dans la croix. Mais Jésus, il a pris ma place. Je dois aussi le porter. Est-ce que devant aussi Jésus, même pendant que ta réputation est abîmée, bien aimé le Seigneur, on doit le prêcher, même dans la joie, dans la détresse, on doit être là, apprêchant Jésus et à vivre Jésus. Je me conseille à quelqu'un, n'abandonnez jamais Jésus, n'abandonnez jamais l'œuvre de la croix. Il nous a sauvés pour sauver les autres. Soyons là des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu, et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Je me réponds pour quelqu'un qui a déjà perdu sa vie chrétienne. Je me réponds pour quelqu'un qui sent sa vie, ses limites, qui sent qu'il a commis, il a mené sa vie il y a longtemps dans le péché, qui veut se repentir. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux. Prions avec moi ensemble. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. La Bible a dit, dans la détresse, ils ont crié l'Éternel et tu as envoyé ta parole. Seigneur, vois la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, pardonne ses péchés. Que ta main puissante soit sur elle, au nom de Jésus. Que ta gloire nous enveloppe, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le frère Exaucé. Et le ministère de main du Tout-Puissant vous invite à être là dans un programme chaque samedi dans les tendances. Thème, ça sera samedi Mimonissa. Soyez là nombreux, appelez et s'abonnez-vous massivement. Les dieux d'Israël ne manqueront pas de nous bénir. Laisse que les dieux d'Israël vous bénisse. Pour les gens qui utilisent Instagram, sur Instagram, Exaucé Mouki, mon page officielle. Si tu as à parler, écris-moi, on aura à parler et les dieux ne manqueront pas à nous bénir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ciao.